Échec au roi. Les Dalton, je vous présente notre nouveau pensionnaire, le célèbre magicien Butterfield. Wow, de la magie! Très spirituel. Mais faites bien attention, je vous ai à l'œil, monsieur le grand malin. Eh, moi aussi, je sais faire. Un caillou, un mouchoir, et hop, une caillou. Ah! Tout le monde sait que la magie, c'est bidon. Facile. Eh, hey, t'as vu Joe? Il a fait disparaître ton plan. Je retire ce que j'ai dit. T'es très fort et tu vas nous aider à nous évader. Butterfield est en vacances. Il compte se reposer. Pourquoi ferait-il ça? Pour rester en vie. Bon, d'accord. Les secrets de la magie, c'est la diversion. Tout est dans l'art de détourner l'attention de ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après? Comme je viens de le dire, c'est un art. Ok, j'ai pigé. Vous faites diversion et pendant ce temps, je fais disparaître les clés. On oublie les leçons. Tu vas nous faire le coup. On est dans la boîte. Hop, 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 on n'est plus là. Et pas dans ton loop. Je rêve en effet de vous voir disparaître. On va répéter avec le chien. Allez, hop, hop, hop. Fais de la magie maintenant. Ou tu préfères mourir? Ah, bon, bon, d'accord. Hop! Si c'est un jeu, il est stupide. Mais on y en joue quand vous voulez. Mes saucisses! Oh, des saucisses! Quand ton plan revient ici! Mais pour vous faire disparaître, il me faut un public. Oh. Pas de magie sans public. La disparition des Dalton. Demandez le programme. Délicieux, du cacahuète salé. Pas les souvenirs, Pins, T-shirt. Ça fait plaisir de voir les Dalton s'impliquer dans la vie du pénitencier. Allez, boudeur, au boulot. Calmez-vous. La magie demande une ambiance feutrée. Je suis feutré. Comment on peut bouger sans bouger? Par magie. Hop! C'est bon, on a été transféré. Oh! Vous m'avez rendu nerveux. Du coup, il a fait disparaître les pénitenciers. Allez, on fonce! Mais enfin, vous ne croyez tout de même pas qu'on peut faire disparaître des objets ou des gens? Tout ça n'est qu'illusion. Ok, alors tu vas faire croire aux gardes qu'on est devant eux. Et en fait, on sera dans leur dos, en train de se faire la belle. Mesdames et messieurs, devant vos yeux incrédules, il avait coupé les Dalton, non pas en 4, ni en 8, ni en 16, mais en petits morceaux de Dalton. Mon Dieu, et s'il les coupait vraiment en deux? Je doublerai le prix de leur pension. C'est bon ça, non? Hein? Je te préviens, si tu me coupes en deux, on sera deux à te faire la fête. DJ,
C'est qui là-bas? Hop! C'est une illusion! Hop, hop, hop! Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi l'illusion? Ah non, c'est bien lui. Hop! Là, je me pose quand même une question. Où sont les Dalton? Ben, ils sont dans la boîte. Et derrière, on a l'illusion qu'ils s'évadent. Je crois qu'on est repéré. On saute! Vite! Yeah! On est libre, John! En matière de magie, rien n'égalera jamais la bêtise des Dalton. Monsieur le directeur, je me retire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire disparaître, c'est la stupidité qui règne dans ces pénitenciers. Adios. Qui c'est qui m'a mis en boîte? Tiens, salut collègue.